j'en suis peu fier. Je suis dans ce monde comme un ange en enfer, un enfer. Pour une femme, une mère, ça laisse un goût amer. Et tes enfants dans la merde, tu m'emmerdes. Qui je suis? Donc je suis Ange Minkala, j'ai 29 ans, je suis né à Orléans et voilà, dans la vie je suis éducateur à la PJJ, c'est-à-dire à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire que j'aide des mineurs qui sont placés dans des structures spécialisées, des mineurs placés par la justice. Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'ils regagnent le droit chemin et voilà, on fait de la réinsertion professionnelle, on fait des activités sportives, artistiques. Je suis beaucoup sur les activités artistiques et voilà, on essaie de faire en sorte que ces jeunes s'en sortent et puis rentrent chez eux. Avec un bagage. Et je fais du slam, je suis slammeur, c'est-à-dire que je fais pas mal de représentations. Du coup, on a pu me voir un peu partout dans la région et autour d'Orléans. C'est mon art, je brandis comme un étendard. Le slam, c'est mon art, je brandis comme un étendard. Le slam, c'est mon art, je brandis comme un étendard. Un cœur ouvert, j'ai trop souffert, non. Accompagné souvent par mon acolyte Samuel Archambault, du coup un guitariste professionnel. Ça m'arrive aussi de jouer a cappella tout seul dans des petits jardins ou pour des petits événements, du coup j'aime beaucoup aussi. Et depuis quelques années, je suis aussi auto-entrepreneur, du coup je fais des ateliers d'écriture pour tout type de public. Du coup j'interviens dans les écoles, dans les structures spécialisées, dans les foyers, j'interviens aussi à l'hôpital, j'ai intervenu aussi à la prison d'Orléans. Et voilà, le but étant de transmettre ma passion et de sensibiliser un peu les gens à l'art du slam, parce que les gens ont beaucoup de choses à dire et voilà, c'est bien de leur donner un temps de parole. Je vais mettre un peu, marquer une petite pause et puis laisser la parole. Ok. Le slam, qu'est-ce que c'est? 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 Le slam, c'est mon art que je brandis comme un étendard. Mon but n'est pas d'étaler ma sauce comme sur un étendoir. Toucher à l'eau, même si je tombe sur un étendard, ça plaise ou pas? À tous ces esprits, en entendant, j'aime pas ces gens qui marchent contre blanc ou contre noir, qui ferment les portes, qui ne laissent rien entrevoir. Autrefois, je m'exprimais avec une autre voix, j'étais pas l'homme qu'aujourd'hui vous voyez. Ouais, je parlais de mes passions, j'ai pas mal de passions. Du coup, une de mes premières passions était le foot. Du coup, je joue au foot depuis tout petit. J'ai même eu la chance d'intégrer un centre de préformation à Châteauroux, à la Bergerie de Châteauroux. Du coup, c'était vraiment une belle expérience de jeunesse. Voilà, on aurait pu tous appeler des footballeurs. Ça n'a pas été le cas, mais j'aime aussi mon métier. J'aime aussi écrire. J'écris depuis très longtemps. Du coup, je suis parti de chez moi très jeune et j'ai très vite eu cette passion pour l'écriture, très jeune. Du coup, j'écrivais un peu tous les soirs. J'avais mon journal intime, j'écrivais mes textes, je rêvais, j'imaginais. Et je me suis vite mis un peu dans ma bulle d'écriture des ma petite tendre enfance. Voilà, ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Du coup, maintenant, l'écriture fait vraiment partie de ma vie. C'est vraiment un moyen pour moi de me libérer de certaines peines et aussi d'avoir mon mot à dire sur les choses qu'on peut observer dans ce monde et qui parfois nous dérangent. Du coup, j'ai la chance de pouvoir prendre le micro et de parler face à des publics. Et ben, j'essaye de pas de prêcher la bonne parole, mais j'essaye de faire un peu réfléchir les gens. Un tonnerre d'applaudissements pour Ange Minkala. Merci.